bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Ville. Donc maintenant que nous avons beaucoup d'immigrants et beaucoup de soldats, nous allons faire beaucoup d'armure, et une fois que nous allons avoir beaucoup d'armure, dans le prochain épisode, nous allons descendre. Voilà. C'est un problème de petit problème de souris. Voilà, c'est réglé. Dans le prochain épisode, nous allons donc... Mais non, c'était Stone, voilà. Je reprends. Dans le prochain épisode, nous allons descendre dans le donjon. Nous allons taper sur le coin du pif. Je ne peux pas le bouger. C'est super utile. Super. Mais vraiment super, quoi. Bon, bah c'est pas grave, hein, on peut pas le bouger. C'est vraiment génial, pile là où je voulais mettre mon mur, quoi. Ah, c'est pas grave. J'aurais pas dû le demander à travers ce truc-là. C'est ça. Bon, ben, on va le reconstruire avec ceci, hein. Donc, hop, deux weapon cabinet, deux armor cabinet, un tool chest, deux tool chest. Allez, c'est parti. C'est tout, et puis là on va aller voir container, est-ce qu'il y en a encore qui sont en demande? Non. D'accord, donc je peux les pré-créer et ensuite les bouger. Ouh, ça c'est intelligent. C'est vachement mieux que ce que je viens de gueuler pour rien contre. Donc voilà. Là, je ne sais pas si mes Voldas sont à peu près tous équipés. Non, pas du tout, pas du tout. Presque pas. Un peu, peut-être. Bon. Eh bien, on va attendre que... C'est leurs armures se créent, une fois que j'ai beaucoup trop de farine. Prepared food barrel. 1, 2, 3. 2. 2. Bon, c'est pas grave. Et il faut encore que je rase une forêt pour avoir du bois pour faire tout ça. Donc on va les raser ici. Hop, rasons une forêt ici. J'ai ma souris qui s'est à moitié bloquée. Voilà, c'est reparti. Effectivement, j'oublie tout le temps que le bois, je galère. Voilà. Comme ça, avec ça, je devrais avoir un peu de bois. Pour une période qui ne va pas m'aider beaucoup, puisque de toute manière, on va tomber en panne de bois dans pas longtemps, encore une fois. Ça, c'est prévisible. Hop, couper cette arme. Et donc il me reste 1, 2, 3... Il me reste donc 2 personal rooms de libre, c'est ça. Oui, il me reste 2 personal rooms de libre. Bah, c'est très bien tout ça. Dans pas longtemps, on va pouvoir ouvrir la petite porte en bas et les laisser aller se taper sur le coin du nez avec tous les... Alors, auto-équipe... Alors lui, il est déjà bien équipé... Lui il est déjà bien équipé. Lui il a... C'est original avec juste un axe. Auto-équipe-toi. Il utilise un soldat, auto-équipe-toi. Et puis je pense que j'ai fait le tour de tous mes soldats. Oh, et puis hop. Soldat. Allez. C'est pour la parité. Je suis incapable de savoir s'il y a des choses dedans. J'imagine que oui, puisqu'ils y sont allés pour aller chercher des choses. Ça doit vouloir dire qu'il y a des choses dedans. Allez, on va descendre un peu la commande. Bon, avec tout ce que j'ai, normalement, ça devrait aller très vite en construction. Hein, là, ça devrait pas poser de problème. Où on en est au niveau de nourriture? Nous sommes à la limite de la famine, encore une fois. Donc je vais faire une boulangerie un poil plus grande. Bakery. Hop, et nous allons refaire des outils de boulangerie. Donc il me faut 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Et bien sûr, est-ce que j'ai... Oui, j'ai encore du caillou. Donc c'est bon, ça ne devrait pas poser de problème. Ça c'est du mur, c'est parfait.
Donc, ça devrait aller assez vite. Voilà, il commence déjà à faire des choses. Stone Spear, voilà. Donc là, il y a tout ce qu'il faut ici. Il y a ceux qui commencent à falloir là. Voilà. Il y en a encore quelques-uns qui dorment en plein air, mais c'est pas grave. Des nouveaux immigrants. Donc je ne pense que... Il me reste toujours deux places de libre. 13, 17, 20. J'en ai 20. Ça commence à être plutôt bien. On désactive tout, on désactive tout. On active la farine. Vous allez voir que c'est pas du tout là-dedans. Forcément, c'est pas là-dedans. Raw food barrel. 1, 2. Eh bien, on va activer tout. Hein. Hop, ranger ça là-dedans. Et il en restera toujours quelque chose. Donc ils ont fini sûrement à peu près toutes mes commandes. Ça, c'est pratique. Mais non, mais il range pas ici, mon baril. Voilà, donc ça, on va pouvoir aller très vite sur la production du pain. Avec 5 stations qui peuvent le produire, ça risque d'aller plutôt vite. Donc au niveau des armures, est-ce qu'ils ont tout construit? Oui, et bien on va en construire un de plus de chaque. Et au niveau des armes, tout est construit. 5 et 4, 5 et 5, ce sera parfait. Voilà. Donc je ralentis pour aller sélectionner mes soldats un par un. Donc auto-équipe, auto-équip. Tu n'es pas un soldat, tu n'es pas un soldat, tu es une soldate, auto-équipe. Est-ce que non, pas soldat, pas soldat, soldat déjà équipé. Suivant. Alors, oui, déjà équipé. Mais je viens de t'équiper, effectivement. Tu n'es pas une soldate. Non plus. Et lui, il a faim. Ah oui, je viens de le demander de s'auto-équiper, c'est bon, c'est bon. Eh bien, je pense qu'ils sont à peu près tous auto-équipés comme il faut. Voilà. La production de pain a l'air d'aller comme il faut. C'est parfait. Hop, réaccélérons un petit peu. Donc ici, on désactive tout. On active la farine. Mais non, je me suis encore trompé. Pourtant, elle est là, la farine, à ce moment-là. Pourquoi c'est pas classé par ordre alphabétique? Bon, c'est pas grave. Ils vont garder la farine. À l'air libre dehors. Ce sera très bien si ça périt mais qu'ils ont des charançons dedans, c'est pas mon problème. Voilà, ça c'est bien, ils ramènent encore un peu de bois. Est-ce que j'ai encore des choses en commande quelque part? Pas ici, pas ici, pas ici, pas ici. Là on ne va pas descendre tout de suite, donc... Eh bien, je vais ouvrir la porte. Non, je vais ouvrir la porte. Forcément, vous imaginez déjà, dans le prochain épisode. Voilà, la V-Ville ressemble à ceci pour le moment. Bien si d'ailleurs, avant de se quitter, on va encore détruire du caillou. Hop, voilà. Et comme ça, je vais pouvoir mettre un mur ici. Donc, un mur ici. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4... Je prévois pour la prochaine extension du dortoir de la V-Ville. Voilà. Et une porte. Non, c'était dans quoi? C'est dans Furniture, les portes. Et une porte ici. C'est parfait, comme ça, ils vont casser un peu de mur. Et j'espère, du coup, que le gravier ne va pas s'écrouler lamentablement partout. On va voir. On va voir. Donc voilà. Je ne sais pas s'ils sont remontés avec le caillou. Mais avec le nombre de bancs de maçonnerie que j'ai, normalement, ça devrait aller extraordinairement vite. C'est très bien. Je crois que je vais peut-être faire encore quelques petits champs. Parce que je suis en train de me demander si on ne va pas avoir un petit problème. Aïe, là je vais avoir un petit problème, je ne vais pas réussir à mettre un champ là-dessus, j'imagine.
lui veut pas. Bon, oui, non, il va pas vouloir. On va annuler ceci ici. Et on va le faire ici, là. Voilà. Donc comme ça, je vais avoir un champ de plus. Normalement, ça devrait être pas mal. Ah, on a à peu près tout ce qu'il faut pour aller taper sur le coin de la tête. Où il se passe rien en fait quand on tape du gravier. Je vais avoir ce qu'il faut pour aller taper sur le coin de la tête de la fin de ce donjon-ci. Effectivement, c'est beaucoup plus pratique avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitoyens. Et vous allez voir qu'ils vont me retourner mon champ presque en une fois. J'en ai presque assez pour le faire. Ça va aller plutôt vite. Effectivement, c'est pas du plus... Ah, bah là, je vais pouvoir en faire une ligne aussi. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Parfait. Donc, comme ça, on va pouvoir avoir plus de blé. Et plus de blé, c'est pratique. On va pouvoir les mettre à manger plus rapidement. Parce que là, je ne sais pas, mais je... Ouais. Quand même, avec ma vingtaine, enfin un peu plus de ma vingtaine d'ailleurs, mes 22 vitoyens, ça commence à devenir... Et j'ai raté. Oula. Ah bah, ils ont été détruire le fantôme du passé. C'est très bien. Hop, j'ai raté, j'ai cliqué trop tôt. On clique ici. On va prévoir... Alors, c'était donc décoratif. On va prévoir quelques tombes de plus ici. On ne sait jamais, on va faire une petite allée. Elles se rempliront au fur et à mesure de ce qui va se passer. Et ce sera très bien. Et bien, sur ceci, on va finir... Ouh, il n'y a plus beaucoup de pain. Effectivement, j'ai bien fait, je pense, de rajouter des champs. Voilà, sur ceci... Peut-être avant cette famine, nous allons finir cet épisode et commencer l'épisode suivant où nous allons taper. Mais ce sera pour demain.